Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner le Bélier ces deux prochaines 15 semaines du mois de février. Donc la deuxième quinzaine. Quelles sont les énergies qui vont entourer le Bélier, l'accompagner pour ces deux dernières semaines du mois de février. Donc nous étions sur la faux pour les Béliers. Voilà ce qui allait influencer un petit peu tout le mois. C'était de couper, c'était une fin de cycle, un nouveau départ, couper avec des choses, couper avec des situations. Je vais accompagner par le Bélier. Alors si tout le tas se met à tomber, on ne va pas y arriver. 4, 6. Ce serait trop compliqué à lire. Et ça nous prendrait la journée. Donc c'est pas le but. Le but c'est quand même que vous ayez des bons messages. Et peut-être pas que ça dure 3 plombes. On va essayer de faire un tirage efficace. Hein, plus que quantitatif, qualitatif. Allez, on est parti. Waouh, on nous parle d'une élévation, on nous parle d'une construction. Ah oui, bon anniversaire les Béliers. Vous rentrez dans votre mois d'anniversaire dans une semaine. Donc déjà, dorénavant, d'ores et déjà, comme je ne sais pas quand vous lirez cette vidéo, bon anniversaire. Il y a une élévation, il y a une construction, il y a quelque chose qui se produit dans la matière qui permet un petit peu de pouvoir construire. De pouvoir construire, de pouvoir poser une première pierre. C'est une première décision peut-être, c'est un premier mouvement vers quelque chose qui va vous élever, qui va vous donner la possibilité de prendre de la hauteur par rapport aux situations. Ça peut être la construction d'une maison, effectivement. Vous pouvez poser les premières pierres ou alors commencer à mettre en place administrativement des choses pour pouvoir construire ce projet, amener à bien ce projet. Alors, ce nouveau projet, cette construction, d'ores et déjà, on peut nous dire que c'est quelque chose qui vous passionne, que c'est quelque chose qui va vous passionner. C'est quelque chose qui va... Alors, quand je dis élever, du coup, vous donnez des ailes. En avant toute, on est parti. Le Bélier a décidé d'avancer. Il a décidé d'avancer, il a décidé d'avancer avec passion. Mais, alors, à contrario, parce que la passion et la sagesse, la passion, c'est plutôt quand on court dans les choses et qu'on ne réfléchit pas, ce qui correspond bien au Bélier, qui a tendance un peu à défoncer toutes les portes. Et puis après, à voir comment on se situe... comment on se situe derrière la porte, mais il y a de la passion, il y a de l'engouement, voilà, il y a de l'engouement pour un projet. On met en place quelque chose qui donne envie, qui est vibrant, mais on y a réfléchi, ou on est en train d'y réfléchir. Cette première pierre, c'est peut-être pas complètement dans la matière, c'est peut-être que vous êtes en train, déjà vous, de poser sur papier, de poser vos réflexions, afin d'organiser en quel ordre vous voulez mettre des choses en place. Quoi qu'il en soit, il y a une construction, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui vous pousse, il y a quelque chose qui vous aide dans la matière à construire. Pardon. J'ai un petit chat dans la gorge. Ben, c'est normal parce que vous allez beaucoup en discuter. Il y a des réunions, il y a des concertations avec votre famille, peut-être des concertations avec des professionnels. En tout cas, autour de ce projet, il y a beaucoup de discussions. Mais comme c'est quelque chose qui va être conçu pour durer, effectivement, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Donc, on discute beaucoup, on parlemente beaucoup, on négocie beaucoup. L'infortune. L'infortune, c'est un petit temps de stagnation. Après ces discussions, peut-être qu'à chaque fois, vous devrez vous replier un petit peu sur vous-même. Pour ce qui bloque pas, ce que vous voulez, etc. Il y aura peut-être à chaque fois qu'il y a une réunion, à chaque fois qu'il y a une discussion, un petit temps d'arrêt. Un petit temps d'arrêt afin d'éloigner peut-être les problèmes, les ennuis, d'éloigner les mauvaises langues. Peut-être qu'à chaque fois que vous mettez une pierre, vous devez vous arrêter, bien regarder autour de vous si tout est en place et continuer. D'accord ? Et bien ça peut être ça. On discute. On a des informations qui ne nous servent à rien. On a des informations qui viennent à nous, qui nous paraissent un peu ennuyeuses de personnes qui sont mauvaises langues
ou qui sont pas très très agréables, en tout cas, peut-être qu'ils veulent vous tirer un peu vers le bas, parce que vous, ce que vous voulez, c'est vraiment une construction très positive, hein. Et du coup, vous avez quand même des gens autour de vous avec qui vous discutez, qui essayent de vous retenir avec cette infortune, donc qui essayent de faire en sorte que vous ne construisiez pas, ou alors de mauvaises langues, de très mauvaises personnes qui parlent dans votre dos ou qui disent des mauvaises choses. Et ça, pareil, ça vous amène des énergies qui vibrent vraiment bas. Donc ça peut vous faire de temps en temps, sur ce projet-là, stagner un peu, d'accord? Mais c'est pas grave, hein? C'est pas grave. Bon, voilà, il y a la nouveauté, il y a la naissance. Donc il y a la naissance, de toute façon, ce projet, il va aboutir. Il mettra le temps qu'il faut, hein? Si vous savez couper avec les personnes qui vous tirent vers le bas, si vous savez couper avec des situations sur lesquelles il ne faut pas s'arrêter, parce que de toute façon, elles sont stériles, elles n'avanceront pas. Si vous savez ne pas mettre d'énergie dans une situation qui n'avance pas, ben vous allez avancer. Par contre, si vous posez toutes vos énergies sur des mauvaises langues, sur des candidats, sur des personnes qui sont têtues, bornées, qui ne veulent pas changer d'avis, mais que vous continuez à émettre de l'énergie, vous n'en avez plus pour votre projet. Donc à un moment, il faut aussi savoir mettre de côté ce qu'il y a à mettre de côté pour pouvoir avancer positivement. D'accord? Pour ne pas être toujours dans une dualité, c'est-à-dire se confronter à des personnes qui sont en dualité avec nous, qui sont en confrontation ou qui nous tirent vers le bas. Posez-les un petit peu de côté, on ne vous dit pas qu'il ne faut pas y revenir, mais posez-les un peu de côté, foncez dans vos projets, hein, et puis quand vous aurez mis la moitié des pierres à l'édifice, bah, revenez vers eux. Mais déjà comme ça, ils auront, ça évitera qu'ils vous bloquent, hein, qu'ils vous bloquent à chaque étape, parce que là, c'est un peu ça. Vous avancez un peu, on vous bloque. Vous avancez un peu, on vous bloque. Vous avancez un peu, on vous bloque. Bon, alors à un moment, vous allez, enfin, comme toute personne, hein, on est humain, vous risquez de vous essouffler et de dire, ben non, ce projet, j'y arrive pas, il est trop souffrant, c'est trop compliqué, je le laisse tomber. Eh oui, il y a des gens des fois qui se nourrissent de ça, hein. Qui se nourrissent du fait que vous n'avanciez pas, qui se nourrissent du fait que vous n'évoluez pas, hein. Peut-être que ça les conforte dans l'idée qu'ils sont meilleurs que vous. Peut-être que ça les conforte dans l'idée que bah, c'est vous qui ne savez pas faire. Il y en a qui adorent ce genre de choses. Quelles sont les situations qui arrivent vers le bélier pour ces 2 prochaines semaines du mois de février, donc du 15 au 28? Merci de me donner les situations qui arrivent sur cette deuxième quinzaine de février. Il y a une construction, encore une fois, une construction de votre vie. Donc il y a vraiment quelque chose qui se construit. Hein. Tisser la toile de sa vie. Tisser la toile de sa vie, c'est construire. Hein. L'araignée, elle construit. Elle construit son nid, elle construit sa toile. Elle construit, c'est une. Elle construit. Et bien vous, c'est pareil, les béliers. Vous êtes dans cette phase de construction. À condition que vous ne mettiez pas trop d'énergie dans des choses qui n'en valent pas le coup. Qui n'en valent pas la peine. Allez, on y va. Waouh! Donc là, ben, effectivement, hein, on est en plein dans le chakra du cœur, on est dans l'amour, on est dans l'élévation face à l'amour. Il y a deux cœurs qui battent. Hein, peut-être que vous vous ralliez à vous-même, à votre cœur. Peut-être. Peut-être que vous allez vers un projet qui vous enthousiasme. Donc vous vous rapprochez de vos plaisirs et de votre cœur, donc. Peut-être que vous vous rapprochez d'un amoureux ou d'une amoureuse. Peut-être que vous vibrez l'amour, hein, peut-être pour l'attirer à soi. On parle quand même de construire, là, de tisser la toile de sa vie. Hein. Alors, on dit araignée du matin ou araignée du soir. Pour moi, cette carte, c'est tisser la toile de sa vie, qu'elle soit comme ça ou comme ça. Hein. Bien que quand elle est lumineuse, c'est peut-être plus facile. Quand elle est vers la lune, je dirais que c'est un petit peu plus sombre, c'est un peu plus compliqué. Mais on l'a vu tout à l'heure, c'est compliqué parce que y a quand même 2-3 petites barrières, il y a 2-3 petites choses à franchir. Bien que, encore une fois, on vous le dit, hein, et on vous parle de l'hiver. Donc c'est ou une période de froid, ou quand même il y a cette construction qui se met en place cet hiver. Donc eh ben, on est en plein dedans, hein, jusqu'au 21 mars, je crois. Il reste encore un bon mois, hein, un bon mois peut-être pour laisser tomber, laisser derrière soi des situations, des personnes qui vous pompent votre énergie sans vous amener quelque chose de positif en échange. Ok, on a un mois, on a le temps. Hein. On n'a pas le temps de construire une maison, mais on a le temps de mettre en place tous les papiers pour que la construction, pour que l'élévation de cette situation se passe bien et soit fluide, d'accord? Okay. Avec des énergies hyper positives, donc en croyant en vous, en croyant
à ce projet, en croyant à votre destin, eh ben, vous allez foncer dans quelque chose de positif. Si vous ne croyez pas en vous parce qu'on vous tire vers le bas, eh ben, vous allez forcément vibrer quelque chose de négatif. Je regardais les cartes qui sont tombées. Hein. Ouais. Quelles sont les énergies d'amour qui arrivent vers le bélier? Celle-là, elle s'est envolée. Vers le bélier pour ce... pour cette quinzaine du mois de février, cette deuxième quinzaine. Voilà, de toute façon, sachez que dans vos vies, vous n'avez besoin d'attendre après personne pour avancer. Allez-y, avancez, construisez. Hein. La personne qui vous aime vous suivra, ou alors, si elle n'est pas là, ou si elle prend du retard, parce qu'elle a elle-même des choses à régler, elle vous rejoindra. Et dans le cas où elle ne vous rejoint pas, bah, c'est que quelqu'un d'autre vous attend. Je sais que c'est pas facile et que des fois on n'a pas envie d'entendre ça, et pourtant c'est ce qu'on doit entendre. C'est qu'il y a des gens, malgré tout, vous n'êtes pas des sauveurs. Hein. Vous pouvez tendre la main, vous ne les sauverez pas. D'accord? Alors avancez. Avancez pour vous, avancez dans vos projets. Et puis ben, s'ils ont envie d'être sauvés, ils le seront. Et puis s'ils n'ont pas envie, ben, qu'ils restent avec vous. C'est tout. Ne donnez pas tout. Donnez, recevoir. Si vous sentez que dans une situation, vous donnez, vous ne recevez pas, laissez tomber. Elle ne vaut pas le coup. Elle ne vaut pas le coup que vous y mettiez votre énergie, que vous vous épuisiez. Hein. Donc, attachez-vous à construire votre propre vie. Et comme je vous dis, si la personne n'est pas là, elle vous rejoindra. Si elle est là, elle vous suivra ou pas. Ce sera son choix. On parle d'un message reçu. Donc, il y a une lettre qui arrive. Ah, pardon. D'un message envoyé. Donc, c'est vous qui envoyez ce message. Vous êtes en train d'envoyer un message à une personne ou vous êtes en train de parler à une personne. Quand on dit message envoyé, ça peut être un message dans la matière, WhatsApp, Messenger, etc. Ça peut être aussi des messages subliminaux, de quelque part essayer de faire comprendre quelque chose à quelqu'un, d'accord? On parle d'amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité, d'une intégrité. C'est peut-être vous qui êtes dans ce système-là. Vous allez envoyer un message ou des signaux à une personne pour qui vous avez beaucoup de loyauté, pour qui vous avez une amitié sincère, d'accord? Il y a quelque chose de sincère, on dit oui, 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 oui. Allez-y, envoyez ce message. Hein. Et puis on parle d'une magie, d'un amour envoûtant et passionnant. Eh bien écoutez, je vous espère cet amour magique, hein, un amour envoûtant et passionnant. Vraiment, je vous l'espère. Donc, allez vers les personnes que vous, où vous souhaitez aller, vers qui vous souhaitez aller. Que ce soit des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, bah, osez y aller. Que ce soit d'anciennes à qui vous n'avez pas osé dire les choses, osez les écrire, osez les faire comprendre. Si vous voyez qu'une personne ne comprend pas, allez-y avec des mots. Hein, parce que les mots, personne ne peut dire ne pas les comprendre. Par contre, c'est sûr que des messages subliminaux, tout le monde n'est pas en capacité. Hein, parce que les messages subliminaux, c'est ça. Si vous êtes bien dans votre tête, si vous êtes bien dans vos pensées, les messages, vous les voyez parce que vous êtes très connecté. Vous êtes connecté à l'autre, vous êtes connecté à l'instant présent. Et puis, il y a d'autres personnes qui ne sont pas encore bien dans leur vie et vous pouvez envoyer 50 000 signaux, ils ne les verront pas. Donc, un message franchement parlant ou un message écrit ou un message par la parole en lui disant, ben voilà, moi je suis très attiré par toi, et ben, il suffit de le dire, quoi. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Yoji, si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes, plus serein tu seras, libéré, délivré. Je ne vais pas vous la chanter, mais vous pouvez la chanter. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, premièrement, et puis un très très bon fin février, on va dire, pour ces deux prochaines semaines. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye, bye.